Hey, salut à tous et à toutes de Gamseed. On se retrouve aujourd'hui, on continue notre petit let's play. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour justement du Castle Crashers. Et là on commence directement pour voir quelle arme peut être intéressante pour nous. À part ce magnifique brocoli. Allez, 5 d'agilité, ça peut être pas mal. Bon, on a ça pour l'instant. Mais bon, après il y a des trucs intéressants, il faut être au niveau 30, 35. Oh, je suis niveau 7. Tu veux te battre, c'est ça? Tu veux te battre? Ah. Plus 6 d'agilité. Plus 3 en force. Non, je veux pas de 3 en force. Je veux de la défense, moi, d'abord. Ouais, voilà, bah, ça c'est bon. Allez. Ah non, peut-être de la magie. Parce que comme je suis en train de max la magie, hein, je vous rappelle. C'est où de la magie? Bah, c'est une explosion. Putain, moins 1. Waouh. Et comment je vais tellement pas la prendre? Ouais, bon bah y'a rien qui me donne de la magie, c'est pas grave, on va rester sur des stats un peu équilibrés. Mais on va voir tout de suite l'infirmière Joël. Et ça fait quoi? Petite chouette récupère les fruits cachés dans les arbres. Merci petite chouette, c'est vachement chouette. Ça, tu me fais aller dans l'eau plus vite, ouais. Allez, viens. Allez, ah! Yes, je l'ai eu! Il fait quoi lui déjà? Je crois qu'il permet de sauter plus haut en fait. C'est tout. Ouais, c'est ça, je crois. Alors, on va voir. Et ouais, les gars, je connais tout. Cherbert vous aide à sauter plus haut. Bah, merci, Cherbert! Mais tu ne sers à rien? Ouais. Super, je peux sauter plus. Oh putain, ça se sent par contre. Allez hop. Allez. On se dépêche, on a une aventure à faire. Et comme vous l'avez remarqué, après chaque boss de fin de niveau, on va dire, bah, je coupe. Voilà. Et là, je coupe de l'air. Et on essaie de se régénérer, voilà. Ça. Allez, salut mon gars. Et on va repartir tout en haut. Voilà, alors l'objectif en fait de cette branche, parce qu'en fait il y a deux branches dans ce jeu. La première branche, donc celle qu'on est en train de faire, et la deuxième qui est là juste à droite. Donc la première, c'est le but, c'est de récupérer toutes les pièces en fait qu'ils nous demandent pour passer. Et par contre, j'ai toujours pas de pelle. Et ça, c'est un problème. En fait, il y a des trous et j'aimerais bien les récupérer en creusant. Ah. Bon, dis donc. Mais c'est vachement bien pour ça. Ok, là, il y a le king. Je crois aussi ils sont relous, mais... Ouais. Ils se décollent comme ça. Ah, putain. Allez. Ça va parce que j'ai de la magie. Ah putain, il tire des poissons, le bâtard! Ton poisson pourri, tu le gardes! Allez. Il y a tellement de trucs à récupérer. Allez, crever! Dans les flammes de l'enfer! Allez, hop. Oh, putain. La punie. Yes, t'es mort. Allez, hop. Ah, lui, c'est tellement le meilleur truc. Je le veux. Non! Non, le bélier, il est trop bien.
Ah, laissez-moi tranquille. Ah! Mais putain, mais. Ah! Laissez-moi! Attendez, il faut que je prenne ma potion. Yes. Allez. Allez, 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 allez. Non, il m'a gagné. Cassez-vous. Allez, 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 allez. On peut le battre, on peut le battre. On va le battre même. Allez, allez, allez. On peut le faire, on peut le faire. Oh putain. Allez. Allez, allez, allez. On se focus sur le boss parce que les autres, ils vont finir toujours par revenir. Oh non, allez, 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 allez. Yes, il est mort. Yes. Bien joué. Bien joué à moi, bien joué à moi, bien joué à moi. Et allez. Il est trop bien celui-là. Ah. Alors en fait, ce qu'il fait, c'est très simple en fait. Oh putain. Oh, calmez-vous les gars. Ballon, c'est spam, c'est pas bien. Oh putain. Allez. Hop là. Allez. C'est parti. Je sais pas. On va avancer comme ça. Ça va mon gars. Culé. Il aime regarder. Mais j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Bah t'es un enculé, c'est tout. Allez hop. Ah putain, mais non mais. Bon en gros lui il fait. Il fait genre mini boss tu vois mais. Il est relou quand même. Il faut que je le repute comme ça. Ok c'est bon, bon il est... Déjà au moins il est beaucoup plus squishy. Il est beaucoup moins résistant, ça fait plaisir. Allez, la magie! Tiens! Il y avait une galipette pour s'effondrer. Bon, c'est pas grave. C'est bien pour nous. Ok, là, il faut un sandwich. Plus vite, s'il te plaît, mon ptio. Yes. Oh non, les voleurs. Oh, le gars de glace. Ok. Oh, les enculés. Casse-toi, je te dis. Toi, je te dis, tu dégages. Bah non, on se fait spam, ça fait que c'est comment? Tu commences à se faire spam. Culé, va. Ok, on est à l'intérieur. Oh putain, eux ils sont relous. Et eux ils vous bouffent votre barre de PV. C'est un truc de ouf. Hein. Oh putain.
Pourquoi vous brûlez pas? Brûlez! Quand ils deviennent marrons comme ça, en fait, quand ils clignotent un peu. Ils sont très dangereux. Ah putain, mais... ils veulent pas crever, hein. Ah! Oh, c'est dur. Oh putain. J'essaie de garder mes distances quand même, parce que c'est assez dur sinon. Enfin, sinon ils vont bouffer ma barre de vie là. Ça va pas le faire, je vais pas kiffer. Parce qu'en fait eux ils vous dévorent votre barre de vie, mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Ils sont en train de vous sauter dessus. Alors vaut mieux être leur pote, tu vois. Oh, la bande son de ce jeu. Allez. Yes. Ah. Ok, alors là c'est le gars chauve-souris. On peut dire qu'il fait mal. Ouais. Il fait genre très mal. Ouais, j'ai level up. C'est efficace la magie contre la plupart des boss, hein. Arrête, ne me lèche pas. Que ta mère qui a le droit de me lécher. Oh. Et cassez-vous. Ah. Ah. Putain. Cassez-vous. Allez. Tiens! Meurs! Poison! Yes! Pourquoi il y avait plein de chauves-souris comme ça? Yes! De l'or! Yes! 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 Allez hop là! Bon bah ça va être la fin de cet épisode 3. Bon c'était. C'était moins pire que le truc. Que le dernier épisode avec. Le truc des archers de mort là. Mais on va se laisser sur le dernier pouvoir magique. Voilà. Alors on est sur ça. Quoi? XXXY? Hein, ouais ok, je crois que je sais c'est quoi. Je sais pas comment. C'est des vrais voleurs, hein. On peut rien leur racheter. Ouais. Je crois que c'est ça. On va voir sur un truc qu'on peut taper. Allez, hop. Et hop. Et hop. Et hop. 1, 2, 3. Pas. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, pouf! Et genre ça fait mal. Et genre c'est trop bien, voilà, hop. Donc c'est 3 fois l'attaque légère, puis attaque lourde. Voilà. Bon bah super, bah on va finir sur dans la caverne. Lui je crois que ça mordit les ennemis, c'est sympa. Ouais, c'est ça.
Ça fait comme les chauves-souris quand même, ce qu'elles vous font en fait. Mais je préfère celui-là, parce qu'il peut te sortir de situation, mais c'est incroyable. Et c'est le meilleur truc en fait pour le level up que j'avais fait dans le dernier épisode, il me semble. La zone de level up, et ben ça dans la zone de level up, c'est juste incroyable. Genre t'es là, tu tapes, et en fait il les défonce comme ça, donc tu peux pas te faire bloquer, et c'est magnifique. Bon bah j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, hein, bien évidemment. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, tchuss.